Je suis palestinienne de la bande de Gaza. Je suis enseignante d'anglais. Et ma fameuse phrase, tendue lorsque je faisais des présentations, et même dans les poèmes qui parlent de la bande de Gaza, ils disent que Gaza, c'est une prison à ciel ouvert. On va voir. Le ciel de Gaza, et premièrement, si on voit le ballon blanc, c'est un ballon d'espionnage. Et les H-24, sur H-24, elle est dans le ciel de Gaza. Et à travers ce bateau, on peut envoyer des messages sur le portable de n'importe quel Palestinien. Pendant les agressions, on l'utilise pour diffuser des communiqués sur les chaînes ou bien les stations de radio palestiniennes. Du coup, tout le ciel de la bande de Gaza est surveillé. En plus, au nord de la bande de Gaza, dans mon village au moins, chaque demi-heure, il y a ce type de drone qui passe chaque demi-heure. On a aussi, comme je vous expliquais, c'est une cage. On ne peut pas sortir. On n'a pas des frontières qui sont ouvertes. Le ciel et les bouclés, malgré tous les problèmes, on essaie toujours de trouver les solutions. Le peuple palestinien est le peuple le plus intelligent pour avoir des solutions. Tant que les Israéliens essaient d'écraser les Palestiniens, la résilience des Palestiniens augmente. On trouve des solutions. On a dit, il faut faire... Where are you hiding? Come out, come out.